Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale aide alimentaire. Donc aujourd'hui je suis allée au Resto du Cœur et demain je dois aller à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo où je mets tout dedans, sinon hein, ça me fait faire deux vidéos et puis bon. Voilà, comme ça vous verrez tout d'un coup. Les Restos du Cœur, du coup, c'est gratuit et l'épicerie solidaire, c'est payant. Mais je vais voir en fonction de ce qu'ils vont me donner demain à la Croix-Rouge. Et j'irai peut-être qu'une fois dans le mois à l'épicerie solidaire, parce que sinon ça risque de me faire vraiment beaucoup de nourriture. Je suis toute seule et les Restos du Cœur, il faut que j'y aille toutes les semaines. Donc voilà, on va voir. Donc comme d'habitude, découvre en même temps que vous parce que j'arrive là-bas, je mets tout dans mon sac et je m'en vais. C'est vraiment, c'est l'usine. On me donne les trucs, mais dans mon sac et je m'en vais. Voilà. Donc on va découvrir tout ça. C'est parti mon kiki. Alors, j'ai eu des yaourts liégeois comme ça. J'en ai eu encore, j'en ai 4, j'en ai eu 2, 3 autres. Voilà. Je mangeais plein de yaourts. J'ai eu aussi des yaourts aux fruits comme ça. 4. Et des crèmes au chocolat. Comme ça. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de yaourts à chaque fois. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça me fait 13 yaourts. Ça me fait 2 yaourts par jour. Il donne quand même pas mal de yaourt. Ah bon. J'ai eu aussi 1 litre de lait. Donc ça, c'est bien parce que j'en fais une consommation. C'est pour ça aussi que j'aime bien aller à l'épicerie solidaire. Parce qu'à chaque fois, ils me donnent 3 litres de lait. Et moi, je bois beaucoup de lait. Donc 1 litre, ça me fait pas la semaine. Voilà. J'ai eu aussi 2 boîtes de sardines à l'huile. Donc j'adore les sardines. Donc voilà. Du pâté. Terrine de foie de volaille au cèpe aromatisé. Sans porc. C'est bien. j'aime le pâté. Hein, donc, j'ai du monde qui va venir samedi. Donc j'ai ma cousine et avec son copain et ses deux enfants. Donc mon petit cousin et ma petite cousine. Donc je vais faire des toasts de pâté. Hein, c'est très très bien. Ça c'est quoi? Une boîte comme ça. Il n'y a pas d'étiquette. Il y a une étiquette comme ça. Haricots verts extra fins. Moi, une boîte d'haricots verts. Voilà. Une boîte comme ça de saucisses lentilles. Donc, ah oui, ça fait 2 repas. Là, il y a énorme la boîte. une barquette de l'hôpital. J'ai demandé. Ça vient de l'hôpital. Je sais pas. Ça vient de la banque alimentaire. On ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà. Haricots verts sautés. Des haricots verts. Avec du beurre et du persil. Assiette fraîcheur. Une salade. Une salade comme ça. Avec, il y a du jambon dedans. Jambon cru. Jambon cru, carotte, un demi-œuf, une tomate. Et ça, je pense que c'est des patates. Et il y a un petit beurre. Voilà. Je vais manger ça cette fois. Ça sera très bien. Après, j'ai eu des canets bordelais. J'aime trop ça. C'est pas bien. Il y a combien de calories là-dedans? 100 grammes, 293 calories. Il y a 360 grammes dans la boîte. Voilà. Voilà. C'est mort, je vais les manger. Ça, c'est clair que je vais les manger. J'ai eu un marbré comme ça, un cake marbré. Et voilà, moi ça je vais le sortir samedi quand ma cousine va venir. Hein. On ira le goûter. Hein. Et j'ouvre. Je vais vous montrer. Vous voyez? Du chocolat blanc! Ah mais il y a la dose. Hein. Il y a au moins 4 barquettes là-dedans.
Barquette. Plaquette. Oh là là. Mais j'aime trop ça. Je vais prendre 15 kilos. Et des chocolats. Praline de Noël. Des chocolats de Noël pour Pâques. Voilà. Moi, ça, je les donnerai aux enfants. Hein, ça leur fera leur Pâques. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai eu une baguette de pain aux céréales. Nickel, j'adore ça. Un pain aux céréales. Manger ça avec ma petite salade de soir et mes haricots verts. Une salade toute mouillée. Ah, on dégouline dessus. Une salade. Je vais mettre tout de suite dans l'autre sac parce que on dégouline partout. Un sac comme ça avec des endives et des petites tomates. Comme ça. Donc je vais faire une salade, c'est cool. Ouais, des trucs bien hein, quand même. Hein. Un concombre, on va faire avec la salade. Un énorme poivron. Il est aussi gros que ma tête. Un énorme poivron. Mais ça ira dans la salade. Des fraises. Donc les fraises, je vais les manger aujourd'hui parce que quand elles sont en sachet comme ça, elles s'abîment plus vite que quand elles sont à l'air. Donc je vais les manger aujourd'hui pour pas qu'elles pourrissent. Ensuite, j'ai eu 2 pommes comme ça. J'ai eu 3 oranges. Une poire. Voilà, c'est un fruit avec les fraises. Donc ça va, hein, j'ai quand même de quoi me faire au moins un fruit par jour. Ensuite, j'ai eu des navets. Ça faisait longtemps. Mais ceux-là, ils sont violets et blancs. Des navets que je connais, ceux-là. Voilà, 2 navets. Ensuite, des carottes. J'en ai eu genre 500 grammes, mais il y en a une qui est toute pourrie. J'ai eu genre 500 grammes. Donc il va falloir que je fasse le tri parce qu'il y en a une, elle est vraiment pourrie. Bah, les poules, elles mangent pas ça en plus. Elles n'aiment pas les manger, les carottes. Des patates. Donc j'ai eu genre 500 grammes aussi de patates. Et pour finir, des oignons. Donc j'ai eu des gros, des comme ça et des petits. Voilà, un petit peu d'oignon, c'est très bien. Voilà, voilà. Ben voilà pour mon retour des Restos du Cœur. Donc, ben comme d'hab, je suis contente. Franchement, j'ai quoi manger. Bon, il y a quand même pas mal de choses sucrées. Mais je me suis pas permise de dire que je voulais pas ci ou ça parce que ça va tellement vite. Et puis bon, c'est quand même assez délicat. On te donne de la nourriture, tu vas pas faire le difficile, quoi. Voilà. Donc par contre à la Croix-Rouge, oui, là par contre je peux me permettre de dire bah non, je veux pas ci ou ça. Voilà. Parce que je paye les choses et puis voilà. Donc bah du coup on se retrouve demain pour le retour de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Voilà. Bon bah à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Donc on se retrouve, je viens d'aller à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. Ils m'ont aidé à mettre dans les sacs, donc du coup je sais pas du tout ce que j'ai eu ou pas. Donc on va découvrir en même temps, hein, comme d'hab. Alors pour le frais, j'ai eu de la salade comme ça en sachet. C'est bien, j'aime bien. Un boudin noir. Des lardons. Donc des lardons. Des allumettes de lardons. Des yaourts. 2 yaourts. Oh la vache, il est tout fondu, mon fromage.
Du rocamadour. Ah, c'est trop bon, rocamadour. Bah, je vais interdire de le manger aujourd'hui parce qu'il est tout fondu. Bah, je vais me mettre au frais, quoi. Des wraps. C'est des beaux. Comme ça. Poulet, carottes, concombre. Au fromage frais. Une petite pizza pour une personne, nickel. Des cubes de jambon. Du jambon en tranches, 25% de sel en moins. Voilà, et combien de tranches? 4 tranches. Nickel. C'est quoi ça? Des anchois marinés ail, capre, citron. J'ai jamais mangé ça, ça glisse. J'ai jamais mangé ça. Donc dans la salade, hein, je suppose qu'on mange ça dans la salade. Ben, je verrai. Hein. Je verrai, je vais déguster des nouvelles choses comme à chaque fois. Je découvre tout le temps des trucs dans mes paniers. Alors, les poissons panés. Comme ça, surgelés. Je vais les mettre au congélateur. Des steaks hachés. Un 4 steaks. Ça c'est bien, les steaks hachés ça sert toujours. Hein. Du beurre, j'ai au moins sur ma troisième plaquette de beurre dans le congélateur. Et des œufs. Bah, j'avais pas vu, mais j'aurais vu, j'aurais dit que j'en voulais pas. Des œufs. Voilà. Et une saucisse, je suppose, oui. 6 œufs. J'aurais des œufs. Hein. Voilà, pour le frais. Donc, bah, je vais mettre tout ça au frais, au congélateur, et puis je vous reprends après. Alors, ensuite, j'ai pris des fraises. J'ai pris une barquette de fraises. Voilà. J'ai pris une salade, j'avais pas vu qu'il m'en avait déjà mis. Donc une salade, un peu abîmée. Hein. C'est bon. Une salade, un légume, j'ai pris du brocoli, comme ça, un brocoli frais, j'adore le brocoli. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi des courgettes et du concombre. Un concombre bio en plus. Un concombre bio. Et là, il y a trois courgettes. Et là, c'est cool. Et des bananes. J'ai pris des bananes parce que c'est vraiment le fruit que je mange tout le temps, quoi. Bananes. Voilà. Ensuite, ah, si, ils m'ont donné des champignons aussi. Oh, c'est des pleurotes en plus qu'ils m'ont donné. Je regarde, je vois pas bien. Je vois le paquet. Ils m'ont donné des pleurotes. Et même des trucs que j'achète jamais parce que ça coûte une blinde. Mais t'as sans champignons. Ah ben, je vais me régaler là, c'est clair. En plus, j'ai ce qu'il faut. Hein. Ah là là, trop bien. J'aime trop les champignons. Ensuite, ils m'ont donné du pain. Enfin, ils m'ont donné, j'ai payé mon carton, mais ça c'était dans le panier. Là, les légumes et les fruits que je vous ai montrés, c'est des trucs que moi j'ai choisi, mais là c'est des trucs que eux ils m'ont mis dans mon panier. Donc, du pain comme ça, c'est bien. Je pourrais le mettre au congèle. Enfin, j'ai plus de place dans mon congèle, mais je pourrais le mettre au congèle. Et des pâtes! J'ai jamais trop de pâtes. Les pâtes, c'est la vie. Une bouteille d'água. Une bouteille d'eau, du riz trois couleurs. Ah, j'aime trop ça. Le riz trois couleurs. J'adore ça. Je suis contente. Des spaghettis. Non, là, c'est des capellini. Des capellini. Des pipes rigatées. D'autres pâtes. J'ai mis trop de pâtes, on a mis trop de pâtes. Ça me fait penser à la chaîne, ça s'appelle Hélène la Vilaine, je sais pas si vous suivez. C'est une chaîne des filles perte de poids aussi, rééquilibrage alimentaire. Et avec son copain, il fait souvent des pâtes comme ça, avec du poulet et des poivrons, et elle mange souvent ces pâtes-là. Et que ça me fait penser à ça. Donc si vous connaissez pas la chaîne de Hélène la Vilaine, je vous invite à aller voir, je vous le mets en lien. Sa chaîne, parce que j'aime bien, me fait rire et
Et je l'aime bien, voilà. Ensuite, la purée. La purée de patates. En sachet. Ça, c'est bien, ça dépanne quand on a besoin. Ça dépanne, c'est bien. Voilà. J'ai acheté ça aussi. C'était en plus dans mon carton. C'est des boules à la crème, hein. Les trucs pas bons. C'était 1 € la boîte de chocolat. Donc j'avais soit ça, soit des chocolats pralinés. Mais mon beau-père, il adore ça. Mais il en raffole. Il bouffe la moitié de la boîte, quoi, chaque fois. En une journée. Enfin, une journée. Peut-être j'exagère. Je suis pas marseillaise, mais quand même. Il adore ça. Donc quand j'ai vu ça, je suis... Ah, je vais lui prendre. Il va être content. Donc, bah, 1 €, c'est bon. Ensuite, j'ai eu 3 pains au chocolat comme ça. Pour le petit-déj, c'est bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une boîte de sucre. Alors, au début, je l'ai vu, je l'avais reposée, la boîte de sucre. Je voulais pas la prendre parce que je mange pas de sucre comme ça, en tout cas. En plus, il m'a déjà donné un truc de sucre en poudre, je sais plus si c'est la dernière fois ou il y a 1 mois. Et bah, je ne l'ai pas ouvert, que je m'en sers pas. Et il me dit, oh, mais avec la guerre, le sucre, ça va coûter cher, prends-le, prends-le. J'ai des réserves. Et puis si t'en sers pas, au pire, s'il y a quelqu'un qui a besoin, tu lui donnes. Oui, pourquoi pas. Du coup, je l'ai pris. Voilà. Des trucs des Monster Munch d'Halloween. Des Monster Munch, des Halloween snacks. Des gâteaux au bureau d'Halloween. C'est bon les trucs comme ça aussi. Quand j'aurai du monde qui viendra charter le plat. Une bouteille d'huile de tournesol. J'en ai de l'huile. À chaque fois, il me donne une bouteille d'huile. Que j'en ai au moins 3 trucs d'huile. Des pépitos. Le chocolat noir. C'est trop bon les pépitos aussi. J'avais pensé au chat à ma copine. Il s'appelle Pépito. Il est noir. Il s'appelle Pépito. Voilà. Des compotes sans sucre ajouté. Bah ça, j'adore ça les compotes. Donc nickel. Là, j'ai eu un Colin sauce citron et son riz. N'ai jamais eu un truc comme ça l'autre fois, j'avais pas mangé encore, je crois. On est dans le frigo. Là, ça se met au frigo. Non, ça se met pas au frigo, ça. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait un truc qui se mette au frigo. Mais c'est bien quand je sais pas quoi faire à manger, au moins j'ai une barquette. Mais toujours ça de près. Hein. C'est quoi, toi? C'est quoi? C'est des gâteaux. Des brownies en pépites de chocolat. Non mais l'autre jour j'ai eu un paquet, j'ai tout bouffé. Mais t'as un paquet comme ça. Il y en a 8 dedans, j'ai tout bouffé en 2 jours. Là ils m'ont foutu tout ça. Bah, j'avais pas vu que c'était. Bah je vais en donner, hein, tant pis. Hein. Je vais tout manger, c'est sûr. Oh là là. Aussi j'ai eu du thon, 2 boîtes de thon et 2 boîtes de sardines. Voilà, c'est cool. C'est cool. J'aime bien le soir en fait avec une salade de me faire mes trucs comme ça. L'autre je fais du maquereau avec ma salade, des sardines. Finalement j'aime bien, puis ça me permet de varier les protéines, c'est bien. De la soupe de poisson aromatisée. Voilà, la soupe de poiscaille. Bah, je vais goûter ça, j'adore la soupe. Du jus d'orange. Après, j'ai 3 litres de lait. Comme ça, comme d'hab. Il me donne toujours 3 litres de lait. C'est pour ça que j'aime bien aller à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Parce que j'avoue, il me donne 3 litres de lait. Et moi qui bois beaucoup de lait, et ben c'est cool. Et ensuite, j'ai eu des boîtes demi-pêche jaune. Au sirop léger, écrit. Ça, c'est cool. Des haricots verts très fins. Et bien.
Des petits points. Des écrans français. Ah oui, là. Écran français. Des petits points, comme ça. Une grosse boîte de petits points. Des raviolis. Je crois que c'est leur marque de fabrique. À chaque fois que j'y vais, j'ai toujours une boîte de raviolis. Oh, c'est bien. Voilà. Tout ce que j'ai eu. Donc, j'étais gâtée comme d'hab, j'ai quand même largement de quoi faire. Donc je suis contente. En plus j'ai eu plein de légumes, des fruits. J'ai pas eu plein de yaourts comme à chaque fois. Donc peut-être la dame regarde mes vidéos. Je pense pas. Mais j'ai eu deux yaourts, donc ça c'est cool. J'ai eu des gâteaux, mais bon, ça va, ça reste raisonnable. J'ai eu plein de pâtes, donc c'est pour ça que je me dis, ça se trouve, la dame, elle regarde mes vidéos parce que c'est que j'aime les pâtes. Mais bon, je sais pas. Bref, du coup, j'en ai eu pour 19 euros tout pile. Alors, mon panier, il est à 14,50 euros. Après, j'ai pris 7 légumes, que 7 légumes et fruits, des choses comme ça, c'est 50 centimes. Donc ça me fait 3,50 € et j'ai pris une boîte de chocolat à 1 €. Voilà. Donc en tout ça me fait 19 euros. Voilà. Nickel. J'ai largement de quoi faire. En plus je retourne du coup au Resto du Cœur. C'est tous les jeudis. Donc je vais largement avoir de quoi manger pendant toute la semaine et même plus. Donc Parfait, nickel, contente. Je sais pas si je retournerai à l'épicerie solidaire dans 15 jours. Je vais voir en fonction de tout ce qui me reste. J'ai pas envie d'abuser non plus et d'avoir 50 000 tonnes de trucs à manger. Et puis il faut que je les stocke hein, dans mes 24 mètres carrés, hein, la bouffe. Hein. Voilà. Le principal, c'est que je meurs pas de faim. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a changé un petit peu d'habitude. Et puis du coup, pensez à vous abonner, à liker et puis à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Vous me donnez tout le temps des idées de recettes, donc c'est cool. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye!